Après 5 saisons de bons et loyaux services pour la Quadrante 3300, la plus vendue des presses haute densité classe passe la main à sa descendance, la Quadrante 5300. 66% des presses haute densité vendues par classe en France sont des Quadrante 3300. L'enjeu est donc de taille pour la nouvelle 5300 qui mise à la fois sur sa densité, sa polyvalence, notamment pour les pailles coupées, et son confort d'utilisation et d'entretien. Elle arrive un an après les 4200 et 5200, toutes deux au format 120x70, mais se différencie par sa hauteur de balle portée à 90 cm. Comme toute évolution, l'objectif est de faire mieux. Plus 10% de densité de pressage, mais également une meilleure tenue des balles, était la priorité donnée au bureau d'études de Wapi près de Metz. En conséquence, les couples d'embrayage de la meneur et du rotor, mais aussi du régime rotor et de la longueur de canal de pressage ont été augmentés respectivement de 12% environ. Le traditionnel simple noueur classe a évolué et grandi avec le HD2 des 4200, 5200 et désormais 5300. Associé à un nouveau système de gestion active de la tension de ficelle, le bec du noueur et le plateau reteneur ont été modifiés afin que la machine puisse travailler avec des brins de ficelle plus longs. Il fallait que les nœuds ne s'ouvrent pas sous l'effet de la compression encore plus forte des balles. Ce même noueur est par ailleurs couplé à un nouveau système de gestion active de la tension de ficelle. Celle-ci est ainsi moins sollicitée, ce qui permet aux nouvelles presses d'atteindre une bonne qualité de liage, même avec des ficelles de moindre qualité. Brevetée par classe, la commande d'aiguille à excentrique permet de varier la vitesse de l'aiguille et de rallonger la durée du processus de liage. Lorsqu'elle monte, l'aiguille est accélérée avant de rester longtemps sur le noueur, puis de redescendre rapidement. On retrouve la ventilation active turbofan dont le flux d'air circulant à une vitesse de 140 km/h traverse les volets oscillants pour être dirigé vers les noueurs non seulement de face mais aussi sur les côtés afin qu'aucun résidu de ficelle ne vienne entraver leur fonctionnement. Grâce à la nouvelle régulation automatique de la pression de pressage automatique Pressure Control, la Quadrante 5300 peut désormais être aussi exploitée en permanence à la limite de ses capacités même si le conducteur est novice. Celui-ci ne devra que paramétrer la densité souhaitée et indiquer la qualité de ficelle via le terminal. Trois capteurs au niveau des noueurs et un sur le châssis principal permettent à la presse de réguler d'elle-même la pression de pressage. En option, le nombre de capteurs peut être porté à 6 pour assurer une surveillance parfaite des noueurs par le Knotter Control System. Grâce à ce système, le conducteur est informé en permanence de la qualité de liage de chacun des noueurs. Outre le terminal opérateur, classe propose les consoles de commande compatibles Isobus Communicator 2 et S10 ainsi qu'une version pour tablette avec l'application Easy Onboard. Lors du lancement de la presse Quadrante 5200 en 2015, classe a inauguré un nouveau pick-up avec un système d'entraînement hydraulique. Ce système est désormais installé sur le modèle Quadrante 5300 et permet de réguler la vitesse d'alimentation avec précision pour éviter d'éventuels bourrages. La Quadrante 5300 est aussi proposée en version Rotofeed, sans couteau, Rotocut avec 25 couteaux et Finecut avec 51 couteaux, connue depuis 15 ans sur la Quadrante 2200 et qui équipe une machine sur deux aujourd'hui chez Class. Class va encore plus loin aujourd'hui en proposant une deuxième version de ce système. Outre la commande groupée des couteaux selon le schéma classique 12, 13, 26, 51 couteaux, Class propose désormais un nouveau schéma à 13, 25, 26, 51 couteaux. Celui-ci est destiné aux clients qui préfèrent travailler avec 25 ou 26 couteaux et avoir ainsi à tout moment deux jeux de couteaux sous la main. Avec les Quadrantes 5300, 5200, 4200, 4000 et 2100, classe entend couvrir 96% des demandes du marché.